Brasser une bière au nom du morceau, c'est un petit peu le résultat logique de notre relation entre la brasserie et le groupe. Henri, François et moi, on a commencé à brasser en amateur. On habitait ensemble dans une coloc rue de l'Ermitage. Pendant plusieurs années, on s'est amusé à faire des petits brassins en tant que hobby, quoi. Et en juin 2017, on a commencé la production ici en direct. Ça fait longtemps qu'on voulait faire un projet de pairing entre musique et bière. Et donc ça s'est fait assez naturellement. Sam m'a proposé de créer une recette de bière inspirée par un de leurs nouveaux morceaux. La collaboration entre l'Ermitage et le Hollywood Beach Eats est née d'une volonté de repousser les limites de la création artistique en faisant des ponts entre la musique et la bière, entre le goût et l'ouïe, donc entre différents sens. Cette bière est le résultat de la combinaison de la créativité de deux entités, la brasserie et le groupe. Donc ce sont deux domaines différents, mais qui vont tellement bien ensemble. Le lien initial entre l'Ermitage et le groupe existe entre Nassim et moi, donc on se connaît de l'UNIF. Ce qui nous unit, c'était essentiellement la musique, les influences punk. On a fait pas mal de concerts ensemble, toujours une bière à la main. Puis le groupe a joué à l'inauguration de la brasserie, donc c'était vraiment un moment important pour nous et donc c'est vraiment resté un souvenir mémorable. And then we also played another concert here, which is actually the first time we played Open Road in concert. Généralement, quand on veut créer des nouvelles bières, des nouvelles recettes, on essaye de se voir à trois et de faire des dégustations à l'aveugle de bières qu'on aime bien, essayer de comprendre pourquoi on aime bien cette bière, pourquoi on l'aime pas. Essayer de comprendre les ingrédients qu'il y a dedans. À la suite de ces dégustations, on se lance dans un nouveau style, on crée la recette et puis on l'essaie directement en grandeur nature dans nos cuves, quoi. So we have a few different ways that we write songs. Usually it's either Nick or myself that brings something in on guitar and an idea of vocals. The other way we write songs is often when Gautier brings in a guitar riff and we really jam around that. And so that's what happened with Open Road. Gautier brought in this guitar riff. Pretty soon in a jam, Nick and Sam were playing this fairly driving rhythm. I actually have some lyrics that I just kind of scroll through and see what fits. And so pretty quickly we had a few verses, a chorus, and it went from there. La première fois que j'ai écouté Open Road, j'ai tout de suite imaginé une longue route déserte, décapotable, l'insouciance, l'envie de penser à rien et de penser, enfin juste de profiter du moment présent en fait. C'est une ode à la liberté, aux grands espaces. C'est une invitation à arrêter de trop penser simplement, à arrêter d'écouter son mental. Quand j'écoute Open Road, quand on la joue, ce que ça m'évoque, c'est des longs trajets en voiture. La route est devant moi, il y a le soleil, je me sens bien et j'ai envie de me sentir comme ça même dans la vie. Simplement me dire que la route est là, je fonce, il ne faut pas passer son temps à hésiter. This idea of leaving something behind and pursuing something else, so pursuing a dream, pursuing a passion, whatever that is, and no matter what that is, it's towards the sun and making it happen, whatever means you have. In the lyrics, I think that shines through pretty well, so if there's open road, if there's an opportunity in front of you, just go for it and leave everything behind, align the hood to the horizon and let the pavement flow. In the chorus, the line, a day spent chasing the sun was actually written on a long haul flight to the United States. And so here it was really something as close to time travel, I think, as you can get, that you're doing this flight westward, chasing the sun, and you end up in somewhere completely different, a completely different culture, completely different setting. And so I like that emotion. When we get to the bridge, I think that's where there is a little bit of doubt that creeps in. There's this somewhat self-doubt. And so there's this, you know, engine don't fail me now. Is this gonna happen? Do I have everything I need? Can I make it? And so I think that has its place in the song, and there's always that
you know, when we hold so much pressure on ourselves, so much stress, that we have to let it go. And I think that shines through at the end of the bridge, where it finally arrives in this huge crescendo to the last chorus, where it's just shouted, and it's this declaration that I will make this happen. A day spent